S'assouplir avec le Qigong, c'est se détendre en profondeur, en douceur et en conscience pour s'agrandir, pour résider agréablement à la fois dans son corps et dans le monde. Cela affine le ressenti, favorise l'amplitude des mouvements, tonifie et détend à la fois. Ce programme propose un entraînement et un développement de la souplesse du corps et de l'esprit. Les postures actives invitent à s'installer en soi et à observer intimement les résistances pour les traverser grâce à l'intention soutenue par la respiration. Le geste respiratoire conscient et fluide débloque des mémoires négatives inscrites dans le corps, inhibant l'extensibilité des muscles, l'amplitude articulaire et une bonne circulation de l'énergie. Grâce à l'apport sanguin dans les muscles, l'équilibre entre un comportement yang hypertonique et son opposé yin hypotonique se régule et le flux énergétique s'harmonise. Entre volonté et lâcher prise, entre contraction douce et relâchement profond, la respiration et les visualisations positives favorisent l'état de quiétude à tous les niveaux de l'être. L'homme est le lieu où se manifeste la rencontre du ciel et de la terre, des énergies yang et des énergies yin. Le Qigong est une approche globale visant à les accorder grâce à des exercices stimulant leur circulation libre dans tout le corps et en particulier dans le réseau des méridiens. Avec les organes et d'autres réseaux de distribution de l'énergie corporelle, les 12 méridiens principaux inondent Qi tout l'organisme, soit le corps et l'esprit qui ne font qu'un. Ces 12 méridiens forment des circuits par lesquels l'énergie, le qi, chemine dans tout le corps. Les méridiens sont bilatéraux. Ils sont en double, au nombre de 6, de chaque côté du corps. Le circuit qui fait l'objet de ce programme est le cycle des 24 heures d'une journée, appelé aussi la grande circulation. La grande circulation transmet l'énergie dans les 12 méridiens, chacun relié à un organe Zhang ou une entraille Fu. Chacun des Zhang et des Fu possède un cycle de 2 heures, dit marée énergétique, pendant laquelle le potentiel énergétique est à son maximum. Son excédent est versé dans l'organe suivant. Ainsi, la marée énergétique du poumon est entre 3h et 5h du matin. La suivante, du gros intestin, puis de l'estomac, de la rate, du cœur, de l'intestin grêle, de la vessie, des reins, du péricarde, du triple réchauffeur, de la vésicule biliaire, du foie. La notion de triple réchauffeur est propre à la médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit de l'ensemble des organes qui favorisent la circulation de l'énergie originelle pour harmoniser tout l'organisme. Ce programme propose de suivre le cycle de la grande circulation des méridiens avec 6 exercices cultivant chacun le flux énergétique d'une paire de méridiens et de son organe associé. La première partie de la séance se déroule debout avec 6 mouvements pour préparer la deuxième partie au sol avec 6 séquences posturales. Je vous conseille de faire toute la séance telle qu'elle vous est proposée afin de bien préparer le corps, de vous étirer en respectant vos possibilités et d'être dans l'état méditatif du Qigong. Cela signifie que pas à pas, vous cesserez de réfléchir, d'activer le mental pour le laisser au repos. Au fur et à mesure, vous serez dans l'expérience des sensations et vous pourrez mettre des intentions tout en pratiquant les yeux mi-clos ou clos. Une fois autonome, vous
pratiquerez au moins 8 fois chaque exercice debout et tiendrez plus longtemps les postures. L'intention consiste à se concentrer en douceur sur une chose. La première intention concerne la globalité, soit l'intention d'offrir le calme et le confort à tout votre corps. Des intentions spécifiques sont suggérées sur des lieux du corps pendant toute la séance. Vous les intégrerez dès que vous n'aurez plus à gérer le côté physique de l'exercice, ce qui viendra progressivement. Voici la structure de la séance que vous allez suivre. Après vous être posé et centré pour pratiquer, debout, vous allez cultiver le flux énergétique et vous échauffer en douceur. Cet apprentissage se termine debout par une douche énergétique que vous pouvez pratiquer dès que vous en ressentirez le besoin. Puis, afin d'ouvrir, de détendre davantage le corps, vous passerez à l'étirement des méridiens. Chacune des séquences d'étirement commence par un automassage d'une paire de méridiens afin de la charger en énergie, de conscientiser son trajet et de mieux la visualiser ensuite dans les phases posturales et méditatives. Installé dans la posture, la recherche du maintien de la respiration fluide et douce et du confort corporel nécessite toute votre attention sans vous crisper pour autant et demeure l'axe de votre investissement. L'exercice se termine par une méditation avec des visualisations pour rafraîchir l'organe associé au méridien et vous détendre en profondeur. Prenez le temps d'étudier ce programme pour en tirer tout le bénéfice et pratiquer détendu sans faire appel au mental. Intégrez d'abord la partie « Cultiver le flux énergétique en détail », puis patiemment, pratiquez la partie étirement postural des méridiens en détail avant de suivre la séance en continu. Votre objectif est de pouvoir pratiquer sans le DVD. Cherchez à pratiquer en douceur, calmement et en étant toujours dans des zones de confort afin de ne pas vous durcir et bloquer l'énergie. Je vous propose un programme complet en 2 DVD complémentaires. Dans le DVD, Qigong pour s'assouplir, étirement dynamique des méridiens, c'est avec un enchaînement de mouvements suivant le cycle d'engendrement des 5 éléments, avec 3 parties debout et une au sol, que vous pratiquerez en complément de cette séance. Professeur diplômé d'État de Qigong, du DGEPS AEMC, ex-danseuse chorégraphe et professeur de stretching, je me suis inspirée des enseignements de Jan Lujun, Yu Dong et Shizuto Masunaga. S'assouplir avec le Qigong est excellent pour tous. J'espère que ce programme que j'ai conçu pour améliorer votre bien-être global vous apportera satisfaction. Écartez la jambe gauche, les deux pieds sont parallèles, de la largeur du bassin. Fléchissez les genoux pour ramasser les nuages, paume face au ciel. Les genoux s'allongent en même temps que les bras s'élèvent devant vous. Les mains écartent les nuages. Pour revenir,
Fléchissez les coudes et les genoux en même temps, paume face à la terre. La respiration est fluide, naturelle. Inspirez en vous dressant vers le ciel. Expirez en vous enracinant à la terre. Les pieds pressent le sol pour déployer le corps en douceur dans l'espace. Tout le corps se détend. Les épaules, les bras, en fléchissant les jambes. Le regard ne fixe rien. Le corps est allongé entre terre et ciel, reste sur son axe vertical. Les genoux fléchis sont au-dessus des orteils. Le mouvement est calme, régulier, sans saccade. La conscience remplit le mouvement dans sa globalité. Revenez les mains aux dantiennes, sous le nombril, main droite en dessous pour les femmes et inversement pour les hommes. L'intention est aux dantiennes pour pratiquer la respiration du dantien. Visualisez le dantien, ce centre énergétique situé au milieu du ventre, au centre du corps, comme une petite boule incandescente qui s'agrandit à l'inspiration et qui se condense à l'expiration. À l'inspire, la boule se dilate. À l'expire, elle se rétracte. Suivez paisiblement votre respiration. Nous allons poursuivre en cultivant le flux énergétique, en respectant le cycle de la grande circulation. Avant chaque exercice, étudiez le parcours de chaque paire de méridiens concernés. Trajet du méridien des poumons. Trajet du méridien du gros intestin. Pieds parallèles de la largeur du bassin, les bras se relâchent pour remonter le long de la ligne médiane du buste, les bras arrondis, les deux index reliés entre eux comme par un fil élastique, de même que pour les deux pouces. Les bras s'ouvrent sur les côtés, index et pouce pointant le ciel, poignet flex. Pour une juste position des mains, entraînez-vous et fermez les poings, pouces par-dessus, étendez les bras dans le prolongement des épaules ou en dessous de celles-ci. En douceur, fléchissez et étirez les poignets, restez les poings vers le ciel et sortez les index et les pouces sans rien changer. Observez les sensations au niveau des doigts, des bras en particulier. Ouvrez l'espace entre les omoplates et les articulations des bras. Relâchez en profondeur les bras et les mains en fléchissant les jambes pour reprendre l'étirement des bras sur les côtés. Inspirez en étirant les bras. Expirez dès que les bras sont étendus jusqu'à ressentir une légère apnée. Relâchez, continuez à expirer pour diffuser l'énergie dans tout le corps.
Laissez l'inspiration naturelle prendre sa place. Cherchez la fluidité, la détente, tout en ouvrant le corps, l'intention, dans les pouces et index. Fermez avec jambe gauche, main au dantien. Restez là pour vous reposer en faisant la respiration du dantien. J'inspire, le dantien se dilate. J'expire, il se condense. Calmement. Observons le parcours des méridiens. Trajet du méridien de l'estomac. Trajet du méridien de la rate. Pieds parallèles de la largeur des épaules. Fléchissez les jambes tandis que les bras se croisent devant la poitrine, main droite à l'intérieur, puis se séparent. Les genoux s'étendent progressivement. Pendant ce temps, les bras s'allongent pour opposer les mains. La main droite pousse le ciel, tandis que la main gauche s'enfonce dans la terre. Relâchez profondément en fléchissant les genoux. Les mains passent croisées devant la poitrine, main gauche à l'intérieur, pour inverser les bras et bien ouvrir le corps. Le regard suit la main qui s'élève en étirant doucement les cervicales. Expirez en relâchant et en fléchissant les genoux. Inspirez en croisant les bras. Expirez en étirant les bras et en poussant le ciel et la terre jusqu'à éprouver une légère apnée. Dans la continuité, relâchez tout le corps et expirez encore sans vous vider à fond. Inspirez tranquillement en croisant les bras, main droite à l'intérieur. Déployez-vous en regardant la main droite qui s'élève. Les jambes sont tendues et le poids de votre corps est légèrement plus sur le pied droit, l'intention dans vos pouces et deuxième orteil. Abaissez vos épaules, relâchez pour diffuser l'énergie dans tout le corps. Prenez conscience de l'espace autour de vous. Imaginez que cet espace est plein, épais, et que vous devez engager tout votre corps pour le mouvoir. Donnez de la densité à vos mouvements en les remplissant de votre conscience.
terminer avec le bras gauche en l'air. Fermez en rassemblant les mains au dantien pour vous recentrer, en laissant passer les images et les idées sans vous y attacher. Revenez à la respiration du dantien, paisible et fluide. Passons au chemin des méridiens. Trajet du méridien du cœur. Trajet du méridien de l'intestin grêle. En cas d'hypertension, faites le mouvement à la hauteur de la taille. Écartez vos jambes, pieds parallèles. Avant de commencer l'exercice, voyons le travail spécifique des mains. Poings fermés, pouces par-dessus, bras devant vous. Réalisez des rotations internes des poignets en souplesse, sans raidir les bras, en laissant le mouvement remonter naturellement dans les coudes jusqu'aux épaules. Continuez en ouvrant les mains, en commençant par le petit doigt, doigt après doigt, pour terminer par le pouce. Mettez toute votre attention dans les auriculaires qui orientent et déclenchent à présent la rotation interne des poignets. Les autres doigts suivent. Détendez vos mains, vos bras, vos épaules, le haut du dos. Entraînez-vous à ce mouvement commandé par l'extrémité de vos auriculaires. Revenez tranquillement, paume face à la terre, les coudes pointant vers le sol. Allongez les jambes tout en montant les bras à l'auteur des seins pour les ouvrir progressivement sur les côtés. Les bras se rapprochent, paume face à face. Les mains reviennent face à la terre en faisant la rotation interne des poignets, l'intention dans les auriculaires. Relâchez en fléchissant les genoux et les chevilles. Les mains reviennent connectées à la terre. Les bras remontent comme s'ils étaient soulevés sans effort. Laissez la respiration se placer naturellement, sans marquer d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration. Cherchez la fluidité en liant les séquences gestuelles entre elles, en liant l'inspire avec l'expire, la conscience avec le corps. Votre intention est d'ouvrir votre poitrine et votre cœur en portant une attention particulière à vos deux petits doigts. Rentrez le pied gauche et superposez vos mains sur le bas-ventre pour faire la respiration du dantien, l'esprit tranquille. Apprenons le parcours des méridiens. Trajet du méridien de la vessie.
trajet du méridien d'Héra. Quelques précisions avant de commencer. Allongez la jambe gauche en avant en appui sur le talon. Montez les bras et fléchissez les hanches en même temps que le genou droit. Le dos est étendu ainsi que la jambe gauche. Montons poitrine, étirez les cervicales et tout le dos, poids du corps sur le pied droit. Pour le vérifier, décollez la jambe avant. Remontez en repoussant le sol de la jambe arrière qui s'allonge. Relaxez les épaules. Descendez en allongeant et remplissant le bas du dos. Sortez les fesses. Relâchez la tête. Regardez entre vos deux jambes. Revenez à la verticale lentement en portant vos bras. Allez où vous pouvez sans forcer, l'intention dans vos plantes de pied, les cinquièmes orteils et le bas du dos. Privilégiez votre aisance, un placement juste, la fluidité et la détente. Recentrez-vous les mains au dantien avant de faire l'autre côté. La jambe droite tendue devant vous, en appui sur le talon, orteil détendu. Inclinez le buste en fléchissant le genou gauche tout en étirant l'arrière de la jambe droite et du dos. Remontez tranquillement sans vous durcir, les bras légers. Restez connecté à votre respiration douce et fluide. Expirez, descendez. Inspirez, remontez plus lentement. Sans apnée, l'esprit calme. Fermez les mains sur le bas-ventre pour faire la respiration du dantien. Étudions le parcours des méridiens. Trajet du méridien du péricarde.
trajet du méridien du triple réchauffeur. En cas d'hypertension, faites le mouvement à la hauteur de la taille. Pieds parallèles, écartés de la largeur des épaules. Fléchissez les genoux et les chevilles, main à la poitrine, puis inspirez et allongez le genou sans vous durcir en étendant les bras sur les côtés dans le prolongement des épaules. Les bras très étirés. Pendant l'expiration, faites de petits cercles en arrière. Les mains grandes ouvertes, doigts vers le ciel. Ouvrez l'espace entre les omoplates. L'intention est portée sur le majeur et l'annulaire. Inspirez et relâchez profondément pour vous réinstaller les bras et les épaules très étirés en poussant avec les paumes de main. Expirez très très lentement et faites les cercles vers l'avant. Inspirez, relâchez profondément pour faire la même chose, bras devant vous. Expirez lentement pendant que vous réalisez de petits cercles vers l'extérieur. L'intention dans les majeurs et les annulaires. Le poids du corps est réparti sur tout le pied. Le corps est dressé sur son axe vertical. Le sommet de la tête est comme aspiré par le ciel. Relâchez pour inspirer et recommencer en inversant le sens des cercles, mains grandes ouvertes, sans raideur. Inspirez et détendez-vous. Relâchez, expirez et fermez avec jambe gauche en respirant naturellement pour faire paisiblement la respiration du dantien. Observons le chemin des méridiens. Trajet du méridien de la vésicule biliaire. Trajet du méridien du foie. Écartez la jambe gauche un peu plus que la largeur de vos hanches. Pieds parallèles, bras le long du corps. Fléchissez les genoux pour tourner à gauche. Libérez l'avant des pieds pour pivoter sur les talons et vous orienter sur votre gauche. Arrivez de profil, main au niveau des aisselles. Contactez la terre en plongeant doucement menton poitrine. Placez les mains en appui sur les bouts des doigts de chaque côté du pied gauche qui est bien à plat au sol. La jambe droite s'allonge en glissant sur les doigts du pied, au sol, talon décollé du sol. Sans changer la posture de la fente avant, en étirant la jambe, transférez votre poids sur l'avant du pied gauche, dont le talon décolle du sol, tandis que vous vous appuyez sur les orteils gauches.
Inspirez pendant cette bascule. Étirez-vous en regardant le ciel. Expirez. Transférez votre poids en arrière. Le pied gauche revient à plat. Le talon du pied droit s'éloigne du sol dans l'axe du pied. Le dos se courbe, menton-poitrine. Alternez en roulant sur les pieds en douceur et en maintenant la jambe arrière étirée, les deux hanches alignées. Surveillez la hanche droite et l'orientation des deux pieds bien parallèles. Ne forcez pas, laissez le bassin se détendre, attiré par la pesanteur. Inspirez, regardez le ciel. Expirez, regardez la terre. Cherchez la fluidité dans la respiration et le mouvement. Changez de côté délicatement. Montez le bassin afin de tendre les deux jambes. Pivotez avec pied gauche puis droit pour revenir de face, le dos détendu. Arrivez pieds parallèles, le buste entre les deux jambes, quelle que soit sa hauteur, relâchez-vous en soupirant profondément. Remontez très lentement, vertèbre après vertèbre, des lombaires au cervical, bras souples pour retrouver votre axe vertical. Fléchissez les genoux, les chevilles, en montant les bras arrondis pour vous orienter à droite grâce au bassin qui commande la direction du corps. Arrivez les pieds bien parallèles. Plongez pour contacter la terre, les mains de chaque côté du pied droit qui est à plat. La jambe gauche s'étire, le talon gauche décollé. Inspirez, étirez la colonne vertébrale, le regard vers le ciel. Versez votre poids sur l'avant du pied. Le talon droit décolle du sol, tandis que la plante du pied gauche s'ouvre davantage avec plus de poids sur les orteils. Expirez, basculez doucement pour inverser et déplacer votre poids en arrière en fléchissant la colonne vertébrale. Laissez-vous aller à ce va-et-vient sans trop aller en avant, en veillant à aligner vos articulations des jambes, hanches, genoux, chevilles, talons, orteils, l'intention dans vos orteils, et plus particulièrement le gros orteil et le quatrième orteil. N'allez jamais au-delà de vos possibilités, cela ne ferait que renforcer les raideurs. Prenez du plaisir à sentir le mouvement vous habiter de plus en plus. Observez chaque progrès, appréciez votre capacité à vous détendre de mieux en mieux et de vous assouplir en profondeur. Pour revenir de face tranquillement, remontez le bassin, les deux jambes s'allongent, pivotez sur talon droit puis gauche, la tête, le dos et les bras lourds. Revenez au centre, les jambes tendues, et remontez lentement. Fléchissez et transférez le poids sur le pied droit pour fermer les mains sur le bas-ventre en faisant la respiration du Dantian. Détendez-vous. Observez toutes vos sensations, tous les mouvements intérieurs. Passons à la douche énergétique. Imaginez une douche intérieure et extérieure, éliminant les blocages pour vous ressourcer en profondeur. Du sommet du crâne, du point culminant du corps nommé Bairé, faites descendre cette onde bienfaisante qui chasse la fatigue de tout le corps. Les mains accompagnent l'intention. Quand elles arrivent au niveau des cuisses, l'intention continue à évacuer jusqu'aux pieds pour expulser dans la terre les énergies négatives par la plante des pieds. Inspirez en allongeant le corps et les membres vers le ciel. Remplissez-vous d'énergie positive, de bien-être, de douceur. Expirez. Enfoncez les pieds dans le sol en fléchissant les jambes et en évacuant les énergies négatives, mains orientées vers la terre.
Répétez ce mouvement autant de fois que vous en éprouvez le besoin, dans le calme, en étant bien concentré. Quand vous décidez de clore, Mao Dantian, prenez le temps de savourer l'instant présent avant de terminer et de reprendre votre vie quotidienne. Prenez le temps de pratiquer et d'intégrer cette partie avant de suivre l'étirement postural des méridiens en détail. Nous allons passer à l'étirement postural des méridiens afin d'ouvrir et d'assouplir davantage le corps et l'esprit. Cette partie demande de votre part de la concentration, de l'observation, de l'attention respectueuse de vos possibilités et l'intention profonde de vous détendre à tous les niveaux. Commençons par un court échauffement, debout, qui comprend les 6 mouvements de la première partie que vous avez étudiée en détail. Pieds réunis, mains au dantian. Cultivez le flux poumon, gros intestin. Inspirez, déployez vos bras. Expirez, étirez-les davantage, l'intention dans les pouces et index. Relâchez et continuez à expirer. Inspirez, fermez, pratiquez la respiration du dantian. Inspirez, cultivez le flux estomac-rat. Expirez, fléchissez, détendez. Inspirez, croisez main droite à l'intérieur. Expirez en poussant le ciel et la terre jusqu'à une légère apnée. Continuez à expirer en relâchant. Inspirez, croisez main gauche à l'intérieur. Expirez, étirez-vous.
L'intention dans les gros orteils et deuxième orteil. Relâchez, expirez. Inspirez, fermez. Pratiquez la respiration du Dantien. Inspirez, cultivez le flux cœur-intestin grêle. Ouvrez la poitrine et le cœur. Respirez naturellement, calmement. Laissez la fluidité œuvrer en vous. L'intention dans les auriculaires. Fermez. Pratiquez la respiration du Dantien. Inspirez, cultivez le flux vessie-rein. Expirez, déposez votre talon gauche devant vous. Inspirez, les bras se soulèvent. Expirez, descendez lentement le buste, l'intention dans les plantes des pieds et cinquième orteil. Inspirez, repoussez le sol en allongeant le genou droit et remontez encore plus lentement. Changez de côté. Étirez la jambe droite devant vous. Et recommencez. Fermez et pratiquez la respiration du Dantien. Inspirez, cultivez le flux péricarde, triple réchauffeur. Allongez vos bras sur les côtés, mains grandes ouvertes. Expirez lentement pendant que vous réalisez de petits cercles vers l'extérieur. Relâchez pour inspirer et recommencer en inversant le sens des cercles, mains grandes ouvertes, sans raideur. Inspirez, relâchez, pratiquez les bras devant vous avec les mêmes actions. La tension dans les majeurs et annulaires. Inspirez, fermez et faites la respiration du Dantien. Cultivez le flux vésicule biliaire foie. Inspirez, pivotez à gauche. Expirez. Plongez vers la terre, enfantin vent. Inspirez, étirez l'avant du corps, regard au ciel. Expirez, étirez le dos du corps, regard à la terre. Inspirez, remontez le bassin. Expirez, pivotez au centre. Inspirez en déroulant lentement la colonne vertébrale. Replacez-vous et faites la même chose de l'autre côté sans marquer de brisure, calmement. Veillez à vos alignements. Laissez la respiration se placer naturellement, l'intention dans les gros orteils
et les quatrièmes. Revenez calmement et fermez pour pratiquer la respiration du Dantian. Passons à l'étirement postural des méridiens. Chacune des 6 séquences commence par une présentation des méridiens, comprend un automassage suivi d'une posture puis d'une méditation. Voyons le parcours des méridiens. Trajet du méridien poumon. Trajet du méridien gros intestin. Passons à l'automassage. Debout, pieds parallèles de la largeur du bassin, lissez le méridien des poumons, qui commence entre la clavicule et le pli de l'aisselle, pour se terminer du coin externe de l'ongle du pouce. Lissez le méridien du gros intestin, du coin interne de l'ongle de l'index, au coin de l'aile du nez. Réalisez l'automassage en conscience, 3 fois à gauche, puis 3 fois à droite. Entrons dans la posture. Accrochez vos pouces ensemble dans le dos, bras étirés, mains grandes ouvertes sans les raidir. Jambes tendues, enroulez le dos vertèbre après vertèbre en commençant par lâcher les cervicales. Allez où vous pouvez, sans forcer. Là où vous vous stabilisez naturellement, laissez les bras décoller du dos, bien étirés, les mains grandes ouvertes et restez dans la posture. Expirez profondément, l'intention dans les zones du corps que vous identifiez tendues, bloquées. Le poids du corps est sur tout le pied, autant sur les orteils que les talons. Pour revenir très très lentement, la tête en dernier, fléchissez les genoux dans l'axe des orteils. Remontez consciemment, vertèbre après vertèbre, par les lombaires. Respirez calmement, laissez les bras revenir tout seuls. Une fois dressé sur votre verticalité, bras décollés du dos, les mains s'étirent vers le sol comme pour enfoncer les bouts des doigts dans la terre. La face du corps s'ouvre. Le regard est vers le ciel, les cervicales s'allongent sans s'écraser. Demeurez dans cette posture en étirant tout le corps, en ouvrant la poitrine et en laissant les épaules aller vers l'arrière. Expirez avec l'intention de relâcher les espaces intérieurs tendus. La respiration est douce, fluide. Restez unis à votre respiration. L'intention dans les pouces et index. Lâchez doucement les mains pour les placer devant les poumons, paume face à la poitrine, l'intention dans les poumons. Fermez les yeux.
Laissons-nous aller à la méditation. Inspirez lentement par le nez. Expirez doucement par la bouche. Expirez les énergies négatives. Évacuez ce que vous ne sentez pas bon pour vous. Inspirez les énergies positives. Absorbez la tranquillité, l'espoir. Visualisez une immense vallée de fleurs blanches. Inspirez la quiétude de la couleur blanche. Remplissez-en vos poumons. Remplissez tout votre corps d'optimisme. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le Dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du Dantien, paisiblement. Observons le parcours des méridiens. Trajet du méridien de l'estomac. Trajet du méridien de la rate. Pratiquons l'automassage. Lissez le méridien de l'estomac, qui commence sur le visage, pour finir sur le côté externe du deuxième orteil, à l'angle de l'ongle. Les genoux sont fléchis, le dos arrondi. Revenez tranquillement en remontant le méridien de la rate, qui commence sur le côté interne du pouce, à l'angle de l'ongle, et se termine sur les côtes, sous l'aisselle. Réalisez l'automassage en conscience 3 fois. Passons à la posture. Installez-vous sur votre tapis pour vous asseoir sur vos talons, les pieds allongés, avec les genoux écartés de la largeur du bassin. Détendez-vous, mains superposées sous le nombril. Demeurez là quelques instants en faisant la respiration du Dantien. Si vous éprouvez des inconforts, pour vous l'exercice est de tenir cette posture. Sinon, passez à l'étape suivante. Placez vos mains devant vous pour prendre appui dessus et retroussez tous vos doigts de pied en maintenant les talons dans leur axe. Revenez assis sur les talons. Vous pouvez rester à cette étape le temps de vous y sentir bien en respirant calmement. Enveloppez de vos paumes de main les talons, les poussez à l'extérieur pour prendre appui dessus. Soulevez le bassin au maximum, les deux hanches alignées, les bras tendus. Ne laissez pas tomber la tête en arrière, ouvrez votre visage, votre cou, tout l'avant du buste et des cuisses. Respirez calmement, expirez le plus lentement possible en maintenant votre attention sur les doigts de pied étirés et en particulier les gros orteils et les deuxièmes doigts de pied.
Expirez dans vos zones de tension avec l'intention de les faire fondre. Pour sortir de la posture, délicatement, revenez assis sur vos talons, menton sur la poitrine, et en prenant toujours votre temps, prenez appui sur le sol, mains posées devant vous, allongez les coudes de pied au sol, écartés de la largeur du bassin. Assis sur les talons ou dans une position qui vous convient mieux pour méditer, placez vos mains face au corps au niveau de la rate et de l'estomac. Les yeux fermés, l'intention dans la rate et l'estomac, laissez-vous aller à la détente. Apprécions la méditation. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Expirez les énergies négatives. Évacuez les ruminations et tout ce que vous avez du mal à avaler, à digérer. Inspirez les énergies positives. Absorbez la vitalité, l'élan qui fait avancer. Visualisez une immense vallée de fleurs jaunes. Inspirez la tonicité de la couleur jaune. Remplissez-en votre estomac et votre rate. Remplissez tout votre corps de légèreté. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Passons au chemin des méridiens. Trajet du méridien du cœur. Trajet du méridien de l'intestin grêle. Commençons par l'automassage. Asseyez-vous confortablement sur les fesses, bien posées sur vos ischions. Plante de pied contre plante de pied. Le dos est allongé, le sommet du crâne est aspiré par le ciel. Hélissez le méridien du cœur qui commence sous l'aisselle pour se terminer au coin interne de l'ongle de l'auriculaire. Lissez le méridien de l'intestin grêle qui débute côté externe de l'ongle de l'auriculaire pour se terminer au bord de l'oreille, dans le creux, quand les mâchoires sont ouvertes. Réalisez l'automassage en conscience 3 fois à gauche, puis 3 fois à droite. Poursuivons avec la posture. Croisez vos mains ensemble. Attrapez vos pieds et dégagez les aisselles pour poser votre front sur les pieds. Ne forcez pas. Vous pouvez laisser les mains sur les pieds et vous pencher très légèrement pour vous offrir une posture confortable. Arrondissez le dos jusqu'où vous pouvez, le menton sur la poitrine. Inspirez avec le dos. Expirez, relâchez sans bouger. Inspirez et poussez en même temps avec vos coudes sur les côtés, les mains toniques, l'intention dans les auriculaires.
Expirez, détendez. Inspirez, tirez les coudes sur les côtés, les mains bien entrelacées. La respiration est fluide, sans apnée. Relaxez les hanches, les genoux, les chevilles. Revenez très lentement en déroulant consciemment la colonne vertébrale. N'hésitez pas à modifier la position des jambes si celle-ci vous incommode. Placez les mains devant le cœur, fermez les yeux, l'intention dans votre cœur. Savourons la méditation. Inspirez lentement par le nez. Expirez doucement par la bouche. Expirez les énergies négatives. Évacuez les excès et les exaltations qui vous consument. Inspirez les énergies positives. Absorbez le calme, l'harmonie. Visualisez un champ de fleurs rouges. Inspirez l'éclat de la couleur rouge. Remplissez-en votre cœur. Remplissez tout votre corps de joie douce et rayonnante. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Apprenons le parcours des méridiens. Trajet du méridien de la vessie. Trajet du méridien des reins. Passons à l'automassage. Lissez le méridien de la vessie qui commence au coin interne de l'œil pour descendre jusqu'au cinquième orteil au coin de l'ongle. Enchaînez avec le méridien des reins qui remonte du point situé à la lisière du creux de la plante du pied et de la partie charnue entre le deuxième et troisième orteil pour se terminer sous la clavicule à deux doigts de son bord interne. Réalisez l'automassage en conscience 3 fois. Entrons dans la posture. Étirez les jambes devant vous. Écarté de la largeur des hanches, bien assis, le dos droit, les pieds flex, orteils en direction du ciel. Attrapez physiquement ou mentalement vos pieds en les pressant doucement pour ouvrir tout l'arrière du corps. Relâchez tout le corps à chaque expiration. Ne forcez pas. Sans à-coups d'où vous êtes, laissez-vous aller. Maintenez un juste placement en activant l'étirement des jambes et en laissant aller votre buste vers le sol. Détendez la nuque, les épaules, les bras, l'arrière des jambes. Expirez dans vos tensions. Inspirez avec tout le dos et avec les lombaires. L'intention dans vos plantes de pied et cinquième orteil. Revenez par le bas du dos, vertèbre après vertèbre.
Restez menton poitrine. Placez vos mains sur les reins, épaules détendues. L'intention est dans vos reins, les yeux clos. Goûtons à la méditation. Inspirez lentement par le nez. Expirez doucement par la bouche. Expirez les énergies négatives. Évacuez les peurs qui vous immobilisent. Inspirez les énergies positives. Absorbez la confiance et la volonté. Visualisez le ciel d'une nuit d'été. Inspirez la profondeur de la couleur bleu nuit. Remplissez-en vos reins. Remplissez tout votre corps de votre force de vie. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Étudions le parcours des méridiens. Trajet du méridien du péricarde. Trajet du méridien du triple réchauffeur. Passons à l'automassage. Assez confortablement en tailleur, jambe gauche à l'extérieur, le bras qui reçoit le massage est détendu. Lissez le méridien du péricarde, de l'enveloppe du cœur, qui commence à l'extérieur du mamelon et se termine au milieu de l'extrémité du majeur. Enchaînez en lissant le méridien du triple réchauffeur, qui démarre au coin externe de l'ongle de l'annulaire et se termine au bord externe du sourcil. Réalisez l'automassage en conscience 3 fois à gauche et puis à droite. Poursuivons avec la posture. L'intention dans les majeurs et les annulaires. Croisez vos bras, bras gauche au-dessus. Allez chercher vos omoplates. Si vous ne pouvez pas encore les toucher, attrapez-les mentalement avec vos doigts. Menton sur la poitrine. Respirez profondément par le ventre. Expirez sans bruit, doucement, dans vos tensions. Respirez calmement, détendant tout le corps, les chevilles, genoux, hanches, nuque, épaules, bras, mains. Tranquillement, inversez les bras en essayant de rapprocher les coudes et d'étirer vos bras totalement. Restez immobile, l'intention dans vos majeurs et annulaires. Œuvrez pour apaiser tout en vous, en vous servant de votre respiration fluide et régulière. Permettez à votre corps d'être bien.
Quittez la posture et placez vos mains paumes face au cœur, l'intention dans le cœur, les yeux fermés. Détendez-vous. Entrons dans la méditation. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Expirez les énergies négatives. Évacuez la jalousie, la haine et l'orgueil qui vous empoisonnent. Inspirez les énergies positives. Absorbez la compassion envers vous-même et les autres. Visualisez un coucher de soleil. Inspirez la douceur de sa couleur rouge-orangée. Remplissez-en votre cœur. Remplissez tout votre corps de paix. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien. Observons le chemin des méridiens. Trajet du méridien de la vésicule biliaire. Trajet du méridien du foie. Installez-vous assis, jambes écartées et allongées au sol. Les orteils et les talons sont orientés vers le ciel. Ne laissez pas vos jambes rouler vers l'intérieur. Bien assis sur vos ischions, vous pouvez vous aider de vos mains sur les côtés pour tenir dans cette posture le dos droit en étendant tout le corps. Passons à l'automassage. Lissez le méridien de la vésicule biliaire qui commence au coin externe de l'œil. Pour se terminer au coin externe de l'ongle du quatrième orteil. Enchaînez avec le méridien du foie qui démarre au coin externe de l'ongle du gros orteil et se termine à environ 5 doigts sous le mamelon. Descendez où vous pouvez délicatement et lissez mentalement les extrémités que vous ne touchez pas encore. L'intention est essentielle. Réalisez l'automassage consciemment, 3 fois. Entrons dans la posture. Fléchissez le genou droit pour placer physiquement ou mentalement votre coude de pied au sol, orteil allongé, plante vers le ciel. Posez au sol la main et si possible l'avant-bras gauche près de vous pour incliner le buste à gauche. Le bras droit s'élève et s'étire. Relâchez complètement l'avant-bras droit afin que la paume de la main contacte naturellement la nuque. Restez immobile et détendez-vous. Expirez profondément dans vos blocages. Inspirez sans précipitation. La respiration est fluide, sans apnée. Appuyez le sol avec votre hanche droite. Allongez la jambe gauche, genou, talon, orteil vers le ciel. Restez bien de face, ouvrez la poitrine. Dégagez les épaules, repoussez votre coude droit en arrière et ouvrez le flanc droit. Laissez faire le poids de votre buste vers votre jambe gauche. Portez votre attention dans les gros orteils et les quatrièmes orteils. Revenez tranquillement pour changer de côté. Si besoin, réduisez un peu l'écart des jambes. Ne durcissez pas votre corps en étant trop volontaire.
Installez-vous confortablement, sans bouger, bien de face. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Les fessiers sont bien au sol, la jambe droite étendue sur la terre. Ouvrez le flanc gauche. Ouvrez le visage, détendez tout le corps. Ralentissez votre respiration. Revenez doucement et lentement. Posez vos avant-bras devant vous sur la terre. Progressivement, descendez le buste vers la terre en vous soutenant légèrement avec les bras, menton-poitrine, les jambes toujours bien étendues. Fléchissez dans vos hanches afin d'allonger le bas du dos et vous agrandir sur le sol. Les bras s'étirent dans le prolongement des épaules, paumes face à la terre, exerçant une douce pression. Le côté droit du visage est déposé sur le sol sans forcer la nuque. Allez où vous pouvez, regardez vos orteils. À chaque expiration, descendez sans à-coup vos crêtes iliaques vers la terre. Ouvrez les espaces entre les vertèbres pour vous agrandir du coccyx au sommet du crâne. Les genoux, chevilles, orteils restent bien orientés vers le ciel. Inspirez, ouvrez votre corps. Expirez, continuez à l'ouvrir totalement. Tournez la tête de l'autre côté. Laissez-vous aller. Ne focalisez plus. Détendez tout le corps. Restez unis à votre respiration, fluide et douce. Respirez avec tout le corps. Revenez sur votre verticale délicatement et lentement, la tête en dernier. Les mains sous les côtes, l'intention dans le foie et la vésicule biliaire. Fermez les yeux. Dégustez la méditation. Inspirez lentement par le nez. Expirez doucement par la bouche. Expirez les énergies négatives. Évacuez les agitations, les agacements et les colères qui vous nuisent. Inspirez les énergies positives, absorbez la gentillesse, la tolérance, le recul. Visualisez de la végétation verte à perte de vue. Inspirez la candeur et le dynamisme de la couleur verte. Remplissez-en votre foie. Remplissez tout votre corps, tout votre esprit de souplesse. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Adaptez l'exercice à vos possibilités. Pour l'automassage, conduisez mentalement le lissage des méridiens en restant bien concentré sur leur trajet. Servez-vous de vos poings fermés l'un sur l'autre pour vous reposer dessus. Menton poitrine, dos arrondi, épaules alignées, coude au sol sur les côtés.
À l'aise dans cette posture, vous placez les poings fermés côte à côte. Détendu dans cette posture, vous travaillez la face suivante, soit le ventre et le buste contactant la terre. Tournez la tête, demeurez serein en inspirant. Demeurez serein en expirant. Prenez tout votre temps pour être à l'aise dans ce Qigong postural pour s'assouplir, avant de suivre la séance en continu, comportant les deux parties indissociables car complémentaires. Ajustez-vous entre terre et ciel. Le corps et l'esprit se calment. Jambes écartées de la largeur du bassin, ballottées doucement, permettez à votre corps de se détendre. Immobile, observez. Remplissez tout votre être d'énergie positive. Évacuez les tensions, les blocages dans les profondeurs de la terre. Déposez-vous dans le centre du ventre pour accomplir la respiration du Dantian. La tension dans les pouces et index, expirez pour les relier au ciel. Détendez vos poumons et continuez à expirer. Inspirez, étirez tout le corps. Expirez, assouplissez tout le corps. Fermez pour réaliser la respiration du Dantian. Ouverture avec l'inspiration, l'intention dans les gros orteils et deuxième orteil. Expirez, les pieds pressent la terre. Inspirez, les bras se déploient. Expirez, détendez.
Inspirez, détendez en profondeur. Fermez pour pratiquer la respiration du Dantien. Ouverture avec l'inspiration, l'intention dans les auriculaires. Ouvrez la poitrine et le cœur. Engagez les plantes de pied dans la terre. La respiration est naturelle. Tout est fluide en vous. Fermez pour faire la respiration du Dantien. Ouverture, l'intention dans les plantes de pied. Inspirez dans un jaillissement de la terre. Expirez, l'arrière du corps s'étire en douceur. Inspirez, revenez lentement. Le regard caresse l'horizon. Expirez, vos reins se détendent. Inspirez, vos reins se ressourcent. Paisiblement changer de côté. Demeurez l'intention dans vos plantes de pied. Le calme inonde tout votre corps. Fermez pour accomplir la respiration du Dantien. Ouvrez avec l'inspiration, l'intention dans les paumes de main, les majeurs et annulaires. Expirez très lentement, les bras et tout le corps s'étirent. Continuez à expirer pendant les cercles.
Inspirez pour inverser les cercles, puis expirez très lentement. Relâchez profondément. Détendez tout le corps, la poitrine, le cœur. Relaxez en profondeur. Fermez pour réaliser la respiration du Dantien. Ouvrez en inspirant et pivotez à gauche l'intention dans les gros orteils et les quatrièmes orteils. Expirez, plongez en avant, les bouts des doigts au sol, jambes droites allongées. Inspirez, étirez l'avant du corps, talon gauche décollé du sol. Expirez, le talon gauche revient sur la terre. Le bassin remonte, les deux jambes s'appuient au sol, tendues. Le buste est lourd entre les deux pieds. Revenez les genoux fléchis, vertèbre après vertèbre. Fermez et détendez-vous. Ouvrez la jambe droite et pivotez à droite. Expirez, installez-vous confortablement, pied droit à plat. Inspirez, roulez en avant sur les orteils. Expirez, roulez en arrière. Le bassin remonte, étirant les jambes. Pivotez le buste entre les deux pieds. Revenez avec sérénité. Fermez pour pratiquer la respiration du Dantien. Ouverture. Lissez consciemment les méridiens poumons et gros intestins. Croisez vos pouces ensemble dans le dos, l'intention dans vos pouces et index. Laissez votre buste pencher vers la terre sans forcer. Jambes tendues, laissez la détente envahir votre nuque, vos épaules, tout votre corps. Immobile, expirez dans vos tensions. Inspirez un air régénérant. Genoux fléchis. Revenez délicatement et très lentement debout entre terre et ciel. Les mains grandes ouvertes sont aspirées par la terre. Immobile, laissez vos épaules s'écarter et ouvrir la poitrine. Inspirez la lumière. Expirez et diffusez-la dans tout votre corps. Inspirez, détendez-vous. Expirez, détendez encore. Calmement, enroulez le dos, le sommet du crâne regarde la terre. Le coccyx regarde le ciel. Expirez, évacuez les raideurs. Inspirez, agrandissez vos espaces intérieurs.
Revenez délicatement et très lentement debout entre terre et ciel. Restez étiré, les doigts grands ouverts, aspiré par la terre. Les pouces se séparent, les paumes se relient aux poumons, les paupières s'abaissent, l'intention dans les poumons. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Avec l'air expiré, évacuez la tristesse, les chagrins, la mélancolie, le pessimisme, la déprime. Visualisez une immense vallée de fleurs blanches. Inspirez la quiétude de la couleur blanche. Remplissez-en vos poumons. Avec l'air inspiré, absorbez l'espoir, l'allégresse, l'ouverture au monde, le discernement. Souriez avec vos poumons. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Tout le corps imbibé de calme. Lissez consciemment les méridiens estomac-rat. Installez-vous tranquillement assis sur vos talons en approfondissant la respiration dans le bas-ventre, l'intention dans les gros orteils et deuxième orteil. Retroussez tous vos orteils pour envelopper vos talons de vos mains. Bras tendus, avancez les hanches bien alignées et restez dans la posture en vous relaxant. Étirez les cervicales, étirez tout l'avant du corps. Profitez de la posture pour faire fondre des blocages en expirant profondément dedans. Restez centré sur votre respiration, lente et régulière, sans apnée. Quittez tranquillement la posture, les pieds s'allongent sur la terre, les paumes se relient à l'estomac et à la rate, les paupières s'abaissent, l'intention dans l'estomac et la rate. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Avec l'air expiré, évacuez les soucis, les ruminations, les doutes, les inquiétudes, les obsessions. Visualisez une immense vallée de fleurs jaunes. Inspirez la vitalité de la couleur jaune. Remplissez-en votre estomac. Avec l'air inspiré, absorbez le centrage sur vous-même. La confiance en vous, dans la vie, le recul, le détachement. Souriez avec votre estomac. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Tout le corps imprégné de calme.
Installez-vous confortablement assis sur les fesses, l'intention dans les auriculaires. Posez-vous sur le va-et-vient de la respiration abdominale. Lissez consciemment les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Croisez vos mains ensemble pour enlacer si possible vos pieds. Penchez le buste sans forcer, l'intention sur les hanches qui se rapprochent de la terre. Le front déposé sur les pieds, les aisselles dégagées, respirez lentement. Inspirez, ouvrez tous les espaces intérieurs. Expirez, détendez. Remontez consciemment sur l'axe vertical. Le sommet du crâne est aspiré par le ciel. Le périnée aspiré par la terre. Les paumes se relient au cœur, les paupières s'abaissent, l'intention dans le cœur. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Avec l'air expiré, évacuez les exaltations, extériorisations, passions et joies excessives. Visualisez une immense plaine de fleurs rouges. Inspirez l'éclat de la couleur rouge. Remplissez-en votre cœur. Avec l'air inspiré, absorbez la douce et tranquille joie de vivre, la générosité, la compassion pour vous, pour les autres, l'amour. Souriez avec votre cœur. Les mains reviennent sur le bas-ventre. L'intention dans le dantien, détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement, tout le corps débordant de paix. Détendez les jambes devant vous. Lissez consciemment les méridiens de la vessie et du rein. Étendez vos jambes écartées de la largeur du bassin, les orteils étendus vers le ciel. L'intention dans le bas du dos, penchez le buste en rapprochant vos hanches de vos cuisses, en douceur, sans forcer. Allez où vous pouvez. L'intention dans les plantes de pied. Attrapez-les physiquement ou mentalement et détendez-vous. Inspirez, ouvrez le bas du dos. Expirez, détendez tout l'arrière du corps. Inspirez, ouvrez Mingmen, la porte du mandat céleste entre la deuxième et troisième lombaire. Expirez, relaxez-vous en profondeur. Remontez lentement et consciemment la tête en dernier. Les paumes se relient aux reins, les paupières s'abaissent, l'intention dans les reins.
Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Avec l'air expiré, évacuez toutes les peurs, celles du passé, du présent, de l'avenir. Visualisez le ciel d'une nuit d'été. Inspirez la profondeur de la couleur bleu foncé. Remplissez-en vos reins. Avec l'air inspiré, absorbez le bleu foncé de l'infini, le courage, la détermination, la volonté, la force de vie. Souriez avec vos reins. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement, tout le corps débordant de paix. Assez confortablement, jambes croisées, détendez les hanches et le bas du dos. Lissez consciemment les méridiens du péricarde et du triple réchauffeur. Étirez vos bras en les croisant. L'intention dans les majeurs et annulaires, pour attraper physiquement ou mentalement chacune des omoplates. Menton-poitrine, ouvrez le haut du dos jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, détendez le sacrum, la colonne vertébrale, le cuir chevelu, les tempes, le visage. Expirez, relaxez en profondeur tout le corps. Respirez calmement par le ventre. Inversez la position des jambes et continuez. Restez immobile à observer les mouvements intérieurs. Cherchez à adoucir le corps et l'esprit. Revenez lentement, le regard en dernier. Les paumes se relient au cœur. Les paupières s'abaissent, l'intention dans le cœur. Inspirez lentement par le nez. Expirez doucement par la bouche. Avec l'air expiré, évacuez la jalousie, la haine, l'orgueil. Visualisez un coucher de soleil. Inspirez sa couleur réconfortante, rouge-orangé. Remplissez-en votre cœur. Avec l'air inspiré, absorbez la douceur du rouge orangé, le pardon, l'équilibre, l'harmonie. Souriez avec votre cœur. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement, tout le corps regorgé de paix. Bien assis, placez-vous pour être à l'aise, jambes écartées et repliées, articulations alignées en maintenant vos genoux pointés vers le ciel. Lissez consciemment les méridiens de la vésicule biliaire et du foie. La jambe gauche est tendue, la jambe droite fléchie,
L'intention dans les gros orteils et quatrième orteil. Le flanc droit s'ouvre. Paume droite sur la nuque. Inspirez, agrandissez tout votre côté droit. Expirez, agrandissez davantage. Inspirez, ouvrez la face de votre corps. Expirez, ouvrez-la davantage. Laissez-vous aller vers la jambe gauche sans forcer. Changez délicatement de côté, bien assis sur les deux fesses. Laissez-vous aller vers votre jambe droite. Inspirez doucement, traversez les raideurs. Expirez doucement, lâchez les résistances. Inspirez, détendez. Expirez, relaxez-vous en profondeur. Revenez lentement, décontractez les jambes pour les ouvrir sur les côtés. Les paumes se relient au foie, les paupières s'abaissent, l'intention dans le foie. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Avec l'air expiré, évacuez les impatiences, les irritabilités, les agitations, les colères. Visualisez une prairie verte. Inspirez la candeur et le dynamisme de la couleur verte. Remplissez-en votre foie. Avec l'air inspiré, absorbez la tendresse de la couleur verte, le calme, l'empathie, la tolérance, le recul. Souriez avec votre foie. Les mains reviennent sur le bas-ventre, l'intention dans le dantien. Détendez-vous et pratiquez la respiration du dantien, paisiblement. Tout votre corps empli de sérénité. Sans perdre le fil, prenez votre temps pour revenir progressivement debout entre terre et ciel. Immobile, les yeux fermés, mains au dantien, imaginez une cascade d'eau très agréable, ruisselée sur toute la surface de votre corps, éliminant les restes des pensées, sensations, émotions négatives. Savourez l'instant présent. Fermez calmement. Le regard vif transperce l'horizon. Secouez les membres avant de reprendre le fil de votre vie.
Avec ce programme, Qigong pour s'assouplir, étirement dynamique des méridiens, la souplesse est recherchée pendant la succession de mouvements lents avec l'intention de s'agrandir dans les 6 directions. Cette séance s'appuie sur le cycle des saisons, des 5 éléments, pour nourrir et nettoyer les 5 organes. Ce programme de plus de 2 heures d'apprentissage est en 2 parties. Vous êtes invité à intégrer la première en détail avant de passer à la seconde, la séance complète en continu. Vous commencerez par l'automassage des 5 paires de méridiens reliés à chacun des 5 organes. Les images de synthèse de chacun des méridiens introduisent les exercices pour apprendre leur trajet. Puis, pour cultiver le feu énergétique et échauffer le corps, vous pratiquerez debout 5 exercices. Au sol, 5 autres exercices d'étirement en mouvement vous permettront d'ouvrir et d'assouplir davantage le corps tout en développant la fluidité du geste, de la respiration et de la libre circulation de l'énergie. Pour terminer debout, la méditation des 5 organes en mouvement harmonisera tout votre organisme en l'inondant de détente. Vous passerez à la série en continu dès que vous vous sentirez à l'aise pour pratiquer en douceur et en conscience cette séance de Qigong pour s'assouplir. J'espère que ce programme que j'ai élaboré pour améliorer votre bien-être global vous apportera satisfaction. Découvrez ce nouveau programme de Qigong des auteurs-réalisateurs des DVD « Les 18 exercices du Tai Chi Qigong », les 8 pièces de brocart et les 5 animaux. Ce DVD de gymnastique chinoise de bien-être a été conçu pour être à la portée de tous. L'introduction vous plongera dans l'état d'esprit du Qigong. Le Qigong est né il y a plus de 5000 ans en Chine. Les hommes étaient alors reliés à la nature et vivaient en osmose. Après l'échauffement, vous pourrez pratiquer un Qigong dynamique, les 1000 mains sacrées, afin de renforcer votre énergie vitale. Vous progresserez à votre rythme, exercice par exercice, grâce aux conseils pédagogiques en abordant la série en détail. Inspirez, repoussez le sol avec la jambe droite, tandis que le bras gauche s'allonge sur le côté et que le bras droit se meut lentement. Expirez, repassez par 2 genoux fléchis, montez à baisser les bras latéralement. Puis, vous pourrez réaliser la série en continu. Donnez autant que vous recevez, sans mesurer. Laissez-vous aller. Laissez la fluidité créer en vous cet équilibre harmonieux. Votre entraînement se complétera avec un Qigong statique, la posture de l'arbre qui favorise le calme, la stabilité et la concentration. L'arbre traverse le temps et capte l'énergie du ciel et de la terre. Avec l'automassage, vous stimulerez la circulation de l'énergie tout en apaisant le mental et le corps. Ce DVD interactif, réalisé dans des paysages magnifiques, offre un programme complet de Qigong pour tous, avec des explications claires et précises que vous pourrez adapter à votre quotidien et selon vos besoins.